Quelle est la force la plus omniprésente ? La force de gravité. L'attraction que chaque corps exerce sur les autres. Elle rend possible la révolution des planètes autour du Soleil. Êtes-vous prêt à me recevoir ? C'est elle qui crée les étoiles. Et toi, tu es né avec la capacité unique de contrôler la force de gravité et les autres forces qui régissent la nature. Lorsque tu auras développé tes pouvoirs, tu pourras accomplir des choses stupéfiantes. Tu vois cet arbre devant toi ? Le plus grand. Je veux que tu annihiles la gravité qui maintient entre elles ces particules. Tu ne vas pas le détruire. Tu vas le libérer. Le renvoyer vers les étoiles. Souviens-toi, tu représentes la paix. Ressens-tu les atomes de l'arbre qui s'accrochent les uns aux autres ? Ressens-tu les autres atomes de l'univers qui s'accrochent aux atomes de l'arbre ? C'est la lutte constante et acharnée que se livre l'univers lui-même. Je veux que tu fasses appel à tes implacables pouvoirs et que tu renverses la force de gravité. Que l'attraction devienne répulsion. Sers-toi de la lumière qui emplit ton esprit. Ton pouvoir est immense. Êtes-vous prêt à me recevoir ? Et tu seras plus puissant. Alors croyez-moi quand je vous dis qu'il ne sert à rien de résister. Pour ceux qui entendront ce message, vous devez prendre conscience que vous représentez la dernière lueur d'humanité sur cette terre. N'essayez pas de combattre l'ennemi. Survivez. Ça peut être oppressant de connaître le futur que tu es sur le point de créer. De connaître le but de cette vie. Tu comprends qui tu es. Et peut-être que tu es prêt à comprendre qui je suis. Tu vois, je... Je suis venu détruire l'ensemble des choses qui vous entourent. Vous savez par quoi je vais les remplacer ? Des choix difficiles à faire. Tu influenceras le passé. Pouvons-nous changer notre futur ? Ça, je l'ignore. La seule chose dont je suis sûr, c'est que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu me manques terriblement. Vous ne m'avez pas entendu venir ? Le royaume de Dieu est ici. C'est ainsi que les choses doivent être. Ainsi qu'elles ont toujours été. Le serpent qui se mord la queue indéfiniment. Vous êtes là pour refaire l'histoire et pour influencer ce qui est à venir. Mais je crois pas en être capable. Il faut comprendre que vous êtes plus qu'un simple agent, vous êtes un cadeau offert à ce monde par un paradoxe de prédestination. Vous êtes un élément unique, libre de toute histoire. Mais vous devez terminer votre mission, vous devez répandre les graines de notre avenir. Nous comptons sur vous. Et que va-t-il se passer quand viendra le jour où j'aurai plus aucune connaissance de mon futur ? Eh bien, vous devrez aborder chaque jour qui vient l'un après l'autre comme n'importe qui. Comme tu l'as dit toi-même, certaines choses sont inévitables. À vous tous ! Tout ce qui est debout sera détruit, mais une nouvelle arche sera là ! Survivez ! C'est ainsi que sont les choses. C'est ainsi qu'elles ont toujours été. Je suis désolé si tu as l'impression d'avoir été trompé. Mais c'est une erreur de croire que l'on peut changer certains événements. Comme tu l'as dit toi-même, certaines choses sont inévitables. Et maintenant que tu l'as rencontrée, tu sais qui elle est. Et tu comprends qui tu es. Tu es prêt à comprendre qui je suis. Tu fais des miracles. Fais-nous un miracle afin qu'on puisse croire en toi. Écoute-moi. Le choc va s'estomper. Et tu pourras trouver du réconfort en sachant que ces événements se produisent dans le bon ordre. Le chemin sur lequel tu es te conduira à ta destinée.
N'attendez pas! Sentimental avec ces vieux objets. C'est génial. Je crois que tu ne te rends pas bien compte de la gravité de la situation. Il n'y a pas que les blessures d'ordre physique. Vous avez effectué plus d'heures sur le terrain que tous les autres agents dont j'ai eu à m'occuper. Les risques sont réels. Tous les fragments de votre personnalité que vous laissez derrière vous après chaque saut ne peuvent pas être réparés dans leur totalité. L'apparition de la psychose, de la démence, ça peut être très grave. Je vais bien. Qui es-tu vraiment? Les voyages dans le temps peuvent être perturbants. Ne dépasse surtout jamais la limite de saut. Ça peut être problématique. Le serpent qui se mord la queue indéfiniment. Je ne possède aucune famille. Je sais d'où je viens. Mais vous, tous les zombies, d'où venez-vous ?